les petits potes, bon, on se retrouve pour une nouvelle petite aventure. Aujourd'hui, au programme, rejoindre Colin et Balaz pour aller faire une petite exploration du cratère d'Holomieux. Donc en gros, on va au piton de la Fournaise et on va descendre dans le cratère du volcan. Donc c'est parti, allez, on y va, accrochez-vous. Reste ton gaz. Mec, je vais vlogger aujourd'hui. Style de mort là. Alors Colin, qu'est-ce que tu veux aller faire? Raconte-moi. Non, on verra. Mec, ça va là, avec ça on va le dégommer le caillou. Alors les gars, vous êtes contents de la météo? Ah, le petit survêt de sac. Ouais. Ouais, ça c'est une version élaborée par quelque chose. Mec, stylé. Avec ça, tu vois, tu peux faire vraiment un protège sac quoi. Mec, c'est super astucieux quoi. Bah ouais, mec, ils sont intelligents. Hein. Bon allez, roule. Hop, et on est parti. Ah putain, j'en peux plus. Ouah, ça monte raide. C'est sur physique. La dernière fois que je suis venu ici, j'avais dormi une nuit. Là, l'ambiance, elle est pas pareille quoi. Il y a un vent de bâtard. Il pleut. On est dans le nuage. Mais c'est cool l'ambiance, c'est super cool. Ouah. Et là, j'ai failli me péter la gueule. Mais j'ai une force phénoménale. Allez, je pense encore 30 minutes et on est en haut. C'est parti, mon kiki. Bon, bah là, c'est quoi le plan là? Aller niquer des darons au fond du cratère. Ok, ça va, c'est honnête. Est-ce que c'est de la vidéo? On dit n'importe quoi ou quoi? Ouais, on peut. Hein. Alors, il est bon ce macassia? Excellent. Il y a quoi? Petit macassia lardon fromage. Oui, tonton! Et ce qui va être bon, c'est le bloc qu'on va aller chercher en bas. Mec, exactement, avec Colin qui est en train de nous installer la corde. Voilà le départ. On va fixer à ça là. Tac tac, triangulation, tout en poids. Et un gros balaz. Alors les filles. Calme. Putain ouais, c'est agréable ce ciment. Donc là, on part de là. On va là. Et après on descend là-bas dedans. Et on vient de tout là-haut. On distingue la corde. C'est ouf le pulse, non? Ah ouais. Ah ouais! Mec, c'est extra. Ah ouais, mec, c'est extrême! Mec, si je me prends votre plateau là, t'arrives en bas direct. Là, on rentre là, on est un peu déstabilisé. C'est tout ici que vous avez fait le chantier? Non, hein. Oui, tonton! Bah ouais, mais si on avait regardé les webcams, on serait pas venu. Ah, toi, Pierrot, t'es exposé là! Hein. Oh, cette ambiance qu'il y a là! On se croirait seul sur Mars! Cratère tout autour de nous,
On tourne, vue à 360 degrés dans le cratère du Dolomieu. Ça y est, on est dans le cratère. Du coup là, la mission, c'est de chercher un caillou qui a des petits cristaux verts, bleus et rouges pour récolter des bouts et l'envoyer. On l'envoie où après? À Grenoble, au labo Ister, c'est Balaz, notre ami géologue qui s'occupera de ça. Il a été missionné pour ramener un bout de caillou. Wow. Et là, regardez sur quoi on marche, c'est casse-gueule. On peut dire que c'est du basalte et les minéraux qu'on cherche, c'est des reliquats d'olivine oxydée. Ces reliquats d'olivine oxydée, ils prennent des teintes avec des éclats bleus, rouges et verts. Ok, vous avez retenu les petits potes? C'était l'instant tuto caillou. Hop les. Wouah, mais regardez-moi ça, les tontons et les tantines. Comme c'est magnifique. Je pense qu'on n'est pas beaucoup sur Terre à l'avoir vu de ce point de vue-là, le volcan. Et ça, ça rajoute un petit plus. Wouah, comme c'est beau. Wouah. Franchement, on se croirait sur une autre planète, c'est incroyable. C'est vraiment fou. Là-bas, on essaie de chercher les petits cailloux qui brillent là, pour l'entreprise de géologie. Voilà. Hop les. Non mais regardez-moi ces formes. Où est-ce que sur Terre, on peut voir des trucs comme ça? On se croirait sur Mars. C'est un truc de malade. Donc nous, en gros, on est passé par là. Tac. Après, on a longé cette petite crête. Après, on est monté tout droit là. On a relongé cette petite crête. Et après, boum, on est monté là-haut, là. Et après, il y a le sommet. Voilà, itinéraire. Tape dans le fond, putain. On est juste au fond du cratère du volcan le plus actif du monde. Oui, t'entends? Oui. Mec. Alors, montre-moi cette collecte. Elle est belle. Mec, elle est stylée, ouais. Monte de l'autre côté. Ouais, elle est belle, ouais. On en a récolté masse, mais il n'y a que Colin qui porte parce qu'on n'avait pas notre sac, nous. Astucieux, hein? Ça, mec. Ok, mec, parfait. Tu pars en coin, Hugo? Ouais, je pars en tête. J'ouvre le peloton. Je vais passer dans le fierrier, là. Voilà la première corde. Balaz qui purge l'ascension. Mec, je pense, arrête de tout enlever, en vrai c'est... Parce que mec, à force là, le machin il va se péter la gueule, hein. Ah mais ouais, mais vous avez une poignée, ça va master vite en fait. Mec, c'est normal que je mette 1000 ans. Petit filou, va. Vas-y, c'est ok. Bon, bah là, on en est où? Et bah là, on est bientôt à la fin de la remontée, hein. Ouais. Sur les terrasses sommitales, avant les dernières barres. Ok, il nous reste quoi à faire? Pour le retour, il reste 50 mètres de dénive, un bon rappel de 30 mètres. Ouais, et puis on arrive sur la... Et on voit pas. C'est là-bas en gros. Là-bas il y a la corde. Là. Voilà, voilà. Ça y est, en fin de retour sur la terre ferme. En haut. Oh putain, il fait froid. Oh, ça caille. Oh. Putain, aventure de ouf, j'attends les copains. Moi je suis déjà en haut, eux ils arrivent. C'est vraiment cool. Il est léger le mien. On part au tien. Monte le tien. Oh bâtard. Bon les gars, il est 18h, c'est l'heure de rentrer. Une frontale pour trois. Ouais. Vous êtes chaud? Ouais.
Ouais. Ouais, allez, c'est ouais. Parti. Hop, hop, hop. On n'a pas le choix d'être chaud. C'était une aventure comment ? Humide. Froide. Ouais. Verticale. Ouais. Belle. Oh. Après, humide. Ok. Et après, brillante aussi, non ? Brillante, ouais. Avec des petits cristaux. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Mec, il est stylé. Et maintenant, petit cookie. Mec, on a marché combien de temps pour rentrer là ? 2 heures, non ? 1 heure et demie ? Quoi ? Balaz, c'est l'interview du retour. C'est pas une mission plutôt réussie, hein, vu qu'on a pu prélever ces mauvais bouts de rocher. Ouais ? Non, ces beaux bouts de basalte magnifiquement oxydés. Tu nous enverras des news de quand on aura l'analyse. Bien sûr. Ouais, ok, ok. Allez, maintenant, rentre à la maison et pizza en rentrant. T'es chaud d'une pizza, Marie ?